Friday Night SmackDown, et bien là ce soir, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode avec un main event de fou. Le titre féminin est à nouveau en jeu. Bayley défend le titre face à Mandy Rose. Et pour ouvrir cet épisode, un autre match féminin arrive. On accueille la reine. Ah oui, c'est la reine. The Queen. Elle nous vient de Queen City. Charlotte Flair. The following contest is scheduled for one fall. One fall. Ah bah non. From the Queen City. Charlotte Flair. Charlotte Flair est dans la place. Et qui va-t-elle affronter ce soir? En tout cas, les feux d'artifice sont présents pour elle, comme d'habitude. En même temps, c'est une reine. Et le petit clin d'œil à l'arbitre, bien évidemment. On ne va pas savoir pourquoi, hein, mais en tout cas, le clin d'œil est fait. Aucun autre match dans la soirée n'a été annoncé. Ça va être 100% surprise, sauf le main event, bien évidemment, on vient d'en parler. Bayley défend le titre féminin de SmackDown face à Mandy Rose. Comme vous le savez, NXT a fermé ses portes et les superstars ont été draftés à Raw et SmackDown, et Bayley ce soir affronte celle qui était NXT UK Women's Champion, Mandy Rose, direct. Elle obtient un match de championnat direct de l'ancienne championne. Et ce sera pour conclure cette soirée. Charlotte, elle est bien présente. The Queen. Et en parlant de Charlotte et Bayley, il y a une petite tension entre les deux anciennes, deux amies, on va dire. Elles sont toujours amies. Mais, en tout cas, Charlotte, elle a dit prudence. Prudence. Et c'est Raquel. Raquel Gonzalez. Ah, ça va être un match très intéressant, inédit d'ailleurs. Match inédit, jamais les deux se sont affrontés. Ça va être une grosse bagarre, hein. Les deux sont de grosses bagarreuses. Ça va frapper très fort. Très bien ça, pour commencer la soirée, c'est un très bon match. En tout cas, n'hésitez pas, bien évidemment, à réagir à cet épisode en commentaire. Dire votre match préféré de la soirée, votre avis sur l'ensemble du show. Et notamment ce match-là qui pourrait être très, très, très intéressant. Charlotte. Raquel. Et on est parti pour le premier match de cette soirée. Ah, ça commence fort de la part de l'ancienne championne, deux fois championne, qui rêve d'une troisième fois. Allez, Charlotte qui la projette. Oh! Ah, Raquel qui contre, c'est bien, avec un coup de coude. Ah non. Elle se fait avoir par celle que l'on même pourrait nommer la vétérante du ring maintenant. C'est une ancienne. Attention, le retournement de la part de Raquel Gonzalez. Qui est loin d'être quelqu'un qui se laisse faire et se laisse dominer sur le ring. Oh. Et le coup de la part de Raquel sur Charlotte qui va prendre de la hauteur. Raquel. La descente du coude. 1, 2, et non.
Ouais, il demande à l'arbitre de compter plus vite. Projection et par-dessus la troisième corde. Charlotte qui est en douleur à l'extérieur, on l'entend crier un petit peu. Charlotte qui se moque de Raquel en imitant la démarche de son père, le légendaire Ric Flair. Elle est de retour. Et Raquel qui a la main sur l'adversaire maintenant. Elle continue. Ah, Charlotte, petit coup de coude qui lui permet de reprendre l'avantage. DDT. Et magnifique. Dos. Il est tombé. 1, 2, et non. Dégagement. Allez, Charlotte. Et la claque. Attention, projection dans le coin de la part de Raquel. Elle face contre le coin. Et Charlotte en difficulté là, tout de même face à Raquel Gonzalez. Elle va le tenter se tomber. Un. Oh! Ah ouais, dégagement rapide. Oh. Oh là là, et le rebreak, ah terrible. Terrible mais logique. Oh, oh là là. Oh, Charlotte qui se va. Oh, elle subit la prise de soumission. Oh, elle va pas abandonner. Non, non, Charlotte, c'est celle qui fait abandonner. Eh non, elle abandonne pas, regardez la force. Raquel qui réagit instantanément mais qui se fait avoir. Oh la claque. Ah c'est contre sur contre là. Un coup dans le dos. Et encore. Oh le coup de genou là. Elle va plier le bras encore. Ah oui, très technique Charlotte. Qui vise beaucoup les bras et les jambes dans ses mouvements. Eh ben, c'est la prise de soumission maintenant. C'est pas la meilleure qu'elle a dans son artillerie, mais elle fait de l'effet quand même. Elle a pas abandonné. Oh, une victoire de Raquel serait exceptionnelle quand même. Elle fasse contre le coup encore. Non, 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 elle contre. Oh, oh là. Face première contre le sol. Allez Charlotte, non, Raquel qui revient, contact. Oh, oh, il faut de la puissance pour faire ça. Le tomber, ça peut passer. 1, 2, et on n'est pas passé loin encore. Hein. Allez, courage. Et non, elle contre. Charlotte, Charlotte, le stunner! Une sorte de stunner. Et là, elle part pour sa meilleure prise. Le figure four leg lock. Et alors là. Et alors là, c'est peut-être le tap. L'abandon peut-être de Raquel. C'est dur de résister.
Et elle abandonne, victoire de The Queen. Charlotte. Flair. Wow. Malgré tous les coups qu'elle a subis, Charlotte est bien là. Oh Bailey qui vient. Elle vient narguer Charlotte. Oh ouais, non mais Charlotte elle en. Non mais elle en. Non. Non mesdames. Non. Non Bailey, t'as un match juste après. Ça, c'est pas bon hein. Si Bailey se blesse maintenant, c'est pas bon. Non mais vous battrez Elina Cell, c'est bientôt, non? Mais non. Oh ça dégénère. Et la bagarre entre Charlotte et Bailey. Aïe aïe aïe. Et Bailey qui sera pas à 100% pour son match de tout à l'heure. Quelle erreur. Oh, nous accueillons pour la première fois celui qui est actuellement WWE et Universal Champion. Kevin Owens, celui qui a battu Roman Reigns à WrestleMania Backlash et qui détient désormais deux titres mondiaux, Raw et SmackDown. Bien évidemment, il vient avec un seul titre, le titre de la WWE, le plus prestigieux. Kevin Owens, celui qui n'avait jamais remporté de titre mondial, il en a remporté à WrestleMania. Et le mois suivant, il remporte le titre de la WWE. Du coup, en l'espace de 2 mois, il n'a pas remporté un, mais 2 titres mondiaux. Exceptionnel quand même. Oh! En parlant d'anciens champions, it's time to face the Almighty. 273 pounds. The Almighty, Bobby Lashley. Bobby Lashley, les deux se connaissent bien. Ils s'étaient affrontés d'ailleurs lors de Elimination Chamber. Et il y avait une victoire de Kevin Owens. Est-ce que ça va être la même ce soir? Entre temps, Bobby Lashley a eu d'autres défaites, de lourdes défaites face à Finn Balor. Maintenant, il faut voir si Almighty peut battre le champion indisputé désormais, Kevin Owens. Le visage des deux rosters. En tout cas, on ne peut pas douter de la puissance de Bobby Lashley, mais c'est vrai que ces derniers mois, c'est un petit peu compliqué. Il n'y a plus de MVP, il n'y a plus de Hurt Business, il est tout seul, Bobby Lashley. Et c'est parti pour ce match. Et face contre le coin direct. Kevin qui est sur le haut du coin. Descend des points, ça tombe bien sur le champion. Sur l'ancien champion universel, Bobby Lashley. Le tomber. Raw break, trop près des cornes. C'est vrai que c'est frustrant. Oh, le card breaker. Non, il va y avoir au break aussi, trop près des cordes là, non? Oh bah même pas hein. Ah oui mais Kevin enfin, non. Et allez, il explose à l'extérieur. Attention. Ouf. Oh la jambe gauche. Oh.
face contre contre la barrière de sécurité là. Kevin Owens qui se fait huer. C'est loin d'être le chouchou des fans. Hein. Ça c'est sûr. Face à Roman Reigns, il était chouchou des fans, mais là. Il est pas là pour se faire applaudir, Kevin Owens, on le sait. Allez, faut remonter, on est à 7. Et pas la ville, hein, évidemment. L'arbitre qui retient Bobby. Oh. Il y a eu la garde comme s'il était à la boxe. C'est Sylvester Lashley, man. Oh, et la projection en arrière. Owens qui prend de la hauteur. Et qui se fait avoir. Et qui se fait à moitié avoir. Oula. Oui, bon, il se fait quand même avoir. Tomber. 1, 2. Et non. Ouh, on n'est pas passé loin de la victoire. Sans même prise de finition. DDT. Ah, Lashley, il a du mal. Il n'y arrive pas, Lashley. Hein. Il n'y arrive pas, Bobby Lashley. La close line. Le tomber. 1, 2. Et décachement. On n'est pas passé loin de la victoire de Lashley quand même. Oh! Il nous fait un master lock. Il peut l'avoir ou pas? Il peut l'avoir ou pas? Non, Kevin Owens. La puissance du champion. Oh! Le tomber. 1. Dégagement. Pied. Le stunner de Kevin Owens qui coule. 1, 2, 3. Non, mais what? Incroyable. Il se bat bien Lashley tout de même. Oh là, le DDT encore. Et il se jette, non mais. Détruit là. Mais Lashley qui essaye de revenir. Et il se fait avoir encore, hein. Et le neckbreaker. Il va tomber. Allez, allez, allez. Et le rope break encore, mais. Attention. Oh. Et le deuxième stunner. Et alors là c'est fini là. Je l'ai en sang en plus. 1, 2. Non mais what? C'est pas possible là. Et Owens. Non, 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 non. Oh, la power bomb à l'extérieur du ring, il est fou. Oh là là,
Lashley, il est en PLS là. Allez, allez, 1, 2, et non, mais c'est pas possible. Le splash. 1, 2, et toujours pas. Oh là, mais quel match de dingue. Quel match de dingue ils sont en train de nous faire là. Possible, ils sont fous. Regardez le Master Lock. Allez, Bobby, tu peux le battre. Côté ensemble, mais il peut le battre. Par contre, ça la met mal pour Kevin Owens s'il perd face à Bobby Lashley. Je rappelle que c'est le premier match de Kevin Owens après avoir gagné les deux titres là. Et le stunner encore une fois. Et allez, 1, 2 et 3. Cette fois, c'est fait et c'est bel et bien une victoire de Kevin Owens. Mais quel match! Waouh, quel match! Je ne sais pas ce que nous réserve la suite, mais c'était le match de la soirée en tout cas. Et c'est bien lui le champion. Le bon Kev. Mace? Qu'est-ce qu'il veut, Mace? Oh, il est intéressé, on dirait, Mace. On est de retour après la pause et Tommaso Ciampa est l'adversaire d'AJ Styles. Qu'est-ce que... Ah non, il a l'air blessé, Tommaso Ciampa. Il a l'air blessé. Ah, on n'aura pas AJ Styles contre... Ah bah non. Pas de AJ Styles contre Tommaso Ciampa qui a l'air blessé finalement. Mais c'est Akira Tozawa qui arrive. C'est pas mal aussi. Bon, on aurait clairement aimé un Tommaso Ciampa et Jestad. C'est bien aussi de style assez aérien, on va dire. Ça peut donner un très bon match. Ah, c'est dommage. On aurait aimé un Tommaso Ciampa, mais bon. Donc, c'est officiel, Ciampa est à SmackDown. Ah, yes! Et on est parti pour ce troisième match. Juste avant le main event. AJ Styles. Oh, le running. Le Scorpion Death Drop plutôt, oui. Oh, le coup de genou. AJ Styles qui demande aux fans de faire du bruit. Et le DDT. Deck Breaker. AJ Styles. Oh, il a failli se louper. C'était risqué comme prise. Attention, il se projette dans les cordes. Et alors ça, c'est une belle esquive de la part de Tozawa. AJ Styles, ancien champion universel. Oh,
Oh là, il va prendre de la hauteur. Oh là là. Et ballon. Oh. Oh, Chastain de coup de pied, le coup de poing. Et il contre. Tout ça va. Projection. Il a bien. Oh, le coup de pied. Il est plus petit avec Kira Tozawa. Il est plus accessible. Oh, le leg lock. Oh, il le fait tomber sur la nuque. Le tomber, ça peut passer. Non. Bah si. Hein. Mais non. Mais. Oh mon Dieu. Oh, Styles, il va le finir. Le Styles Clash. La finition. 1, 2, et 3. Comment est-ce possible? Et les fans qui se can't fight forever. Oh, le Frog Splash, mais il s'est fait accueillir avec les genoux en l'air de la part de Tozawa. Oh, c'est terrible, c'est terrible. Et coup dans le dos. Et encore. Le tombé de Tozawa. 1. Ouais. Prend trop son temps. Tomber. 1, 2, et non. Et ça se bagarre autant, avec autant d'intensité que le Bobby Lashley Kevin Owens. Ah, le Judy Gatame porté par Styles. Il maintient. Il n'a pas abandonné. Oh, kick dans l'abdomen. Et le coup de genou. Il est KO. Oh, il est complètement KO. Il va le battre. 1, 2, et non. Oh. On n'est pas passé loin, encore une fois, de la victoire d'Akira Tozawa. Mais pourquoi il imite Hulk Hogan, lui? Il est devenu complètement fou, Akira Tozawa. Il le tient, il le tient. Et il s'est échappé, AJ Styles. Oh, il va y avoir un break, non? Un break. Ah, terrible. Vers le centre. Mais qu'est-ce qu'il fait? Voilà, vers le centre du ring, monsieur AJ Styles. Le tomber. 1, 2, et 3. Cette fois, c'est fait. Victoire d'AJ Styles. Et c'était difficile tout de même. Et c'était difficile. Belle victoire d'AJ Styles. Quoi, encore? Non, mais le match est fini, c'est trop tard là. Ah, il est en retard. Je pense qu'il est en retard. Non, mais non. Il y a la clothesline de Ciampa. Il est pas blessé. Mais quel menteur.
following contest is scheduled for one fall and is for the SmackDown Women's Championship. Et ce match est le main event de la soirée. Et surtout, match pour le titre féminin de SmackDown. On accueille la challengeuse, celle qui est désormais ancienne NXT UK Women's Champion. Règne un peu court malheureusement, parce que du côté de NXT c'est fini. Mandy Rose. La ravissante Mandy Rose. Ah oui, il faut dire ce qui est. Pourquoi mentir? Faut pas mentir, nous on ment pas. Ah non. Mandy Rose est dans la place. Bayley en rappelle qu'elle est championne de SmackDown depuis le 27 novembre 2020. Oui, le 27 novembre 2020. Voilà. Est-ce que le règne va continuer? Parce qu'elle en a affronté des personnes quand même, Bayley. Personne ne l'a battue. Jamais. Imbattable, Bayley. Elle est imbattable. Est-ce que Mandy Rose, qui maintenant a acquéri de l'expérience, de la violence et les techniques pour être championne, peut battre Bayley? Mais je ne sais pas, mais on va le savoir. Dans tous les cas, c'est le main event. C'est notre Bayley et elle est bien là. Celle qui s'est bagarrée avec Charlotte tout à l'heure. Est-ce que ça va lui porter préjudice? Est-ce que c'était une bonne idée de venir frapper Charlotte Flair, de se battre avec Charlotte? Parce qu'elle a pris quelques coups de poing et ça peut jouer quand même dans ce match. Mais je ne sais pas. C'était un risque à prendre selon elle. Bayley, Mandy Rose, c'est tout de suite. Pour conclure cet épisode de SmackDown qui nous a réservé de très beaux matchs tout de même. Kevin Owens, Bobby Lashley reste pour moi le meilleur de la soirée, même si ce main event peut-être égaler et on aimerait bien même dépasser les attentes que l'on a. Quel que soit le résultat, le titre féminin défendu en main event à SmackDown, ça c'est très rare. Donc, ça fait toujours plaisir. Voilà. Introducing the challenger from Yorktown Heights, New York, Mandy. And introducing the champion from San Jose, California, the SmackDown Women's Champion, Bayley. Championne depuis le 27 novembre 2020. Et on est parti pour ce main event time. Et Mandy Rose qui attaque direct la championne. Et Bayley, bon coup de genou. Et bon coup de genou de Mandy qui réplique. Et la projection en arrière. Le tombé, déjà. Un. Ah non, mais faut pas rêver tout de même, c'est pas Disneyland ici, madame. Irish Whip. Oh, bien joué. Oh, le bon coup de pied sur la jambe gauche. Souplesse arrière. Oh. Attaque dans le dos. Et
Et coup de pied dans le dos. Attention, la souplesse arrière encore une fois de Mandy. Qui essaie de vite donner le plus de coups possible à Bailey pour bien la blesser, pour bien lui enlever toutes les performances qu'elle a. Comme j'ai dit, Mandy a acquéri de l'expérience en étant à NXT. Ça lui a permis de remporter le titre féminin. Oh! Tombez-le et le rebreak. Oh, magnifique. Ben, il est tombé. 1, 2. Allez, la prise de tête. C'est bien de la part de Bailey. Et le coup de poing qui met à terme Mandy Rose. Des coups violents portés. Ouh, belle esquive. Surtout que Mandy Rose n'a pas de genouillère. Hein. Elle a des jambières, mais pas de genouillère. Tombé. 1, 2. Ouh, on n'est pas passé loin. D'avoir une nouvelle championne. Et c'est tout ce qu'on demande. Même si vous nous mettez ouais non, n'importe qui, ça sera bien. Même si Mandy Rose, on aimerait bien. Mais elle y est imbattable, on le sait. Nos espoirs de nouvelle championne ce soir sont très basses. Non, basses, pas très basses, mais basses. Pour l'instant, Mandy gère bien. Crossface, c'est l'euro break. Elle peut nous faire la surprise. On aimerait. Oh, oh oui, elle peut nous faire la surprise. Elle peut nous faire la surprise. 1, 2. Oh, mais. Elle peut nous. Il y a moyen. Il y a moyen. Il y a moyen. Elle nous fait une Goldust là. Allez, allez. Il est temps de mettre fin à ce règne. Et si c'était l'élu sacré? Petite référence à la série Halo. Oh, oh bah Ellie qui revient vite. Il est tombé. 1, 2. Et non, Mandy qui tient. Et bah Ellie qui commence à s'énerver. Et le Fight Forever, le Bailey to Bailey. Oh, et c'est peut-être le... La fin. Ah non, elle tente même pas de tomber. Elle aurait pu, là, clairement. Descend du coude. Et elle a descendu. Ah ouais. Quand elle est frustrée, Bailey, elle enchaîne les coups violents. Oh, la belle esquive. Allez, let's go. Let's go, Mandy. C'est avec des esquives qu'on remporte des titres. Oh, magnifique. Elle peut le faire, elle peut le faire. 1, 2 et 3. Yes. Yes. Mandy Rose, nouvelle championne de SmackDown. Elle met fin au règne de Bailey qui a duré plus d'un an, presque deux limites. Oh my god. Here is your winner and the new SmackDown Women's Champion, Mandy Rose. Et c'est exceptionnel, ce moment était attendu depuis des milliers de mois.
le règne de Bayley s'achève. Et Mandy Rose qui remporte un nouveau titre direct. Merci à tous d'avoir été présents pour cet épisode. Et quelle fin, on pouvait pas rêver mieux. A très bientôt avec Mandy Rose.